Salut, salut les amis, bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Bienvenue sur ma chaîne Les Petits Plats de Ariane. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette de foufou d'avoine à la sauce gombo. Et je vais commencer par laver mon gombo et la tomate en y mettant dans une bassine du vinaigre. Je vais aussi rajouter du bicarbonate et ensuite je vais bien frotter mes légumes pour enlever tous les restes de pesticides qui peuvent nuire à la santé. Vous voyez, j'ai lavé, je frotte bien, j'ai changé même d'eau, hein. Ah oui, j'ai changé d'eau 3 fois de suite. Et là, je suis sûre que mes légumes seront bon pour la santé, il y aura plus de restes de pesticides, voilà, de poussière et autres, hein. Une fois que j'aurai lavé mes légumes, je vais les découper tout simplement. Pour que mon gombo tire bien, je rajoute environ une cuillerée à café de bicarbonate ainsi de l'eau et je mélange bien à l'aide d'une fourchette et je laisse à part, je laisse reposer pendant environ 2 minutes. Dans une casserole, je mets un peu d'huile de palme et je laisse chauffer avant de rajouter des oignons. Après avoir fait revenir les oignons, je vais laisser frire pendant environ 2 minutes. Et ensuite, je rajoute des tomates. Une fois que je vais rajouter la tomate, je vais continuer à remuer sans cesse et ensuite je vais couvrir la casserole pour que la tomate soit bien frite. Au bout de quelques minutes, je vais rajouter le poulet que j'ai préalablement assaisonné et laissé mariner pendant quelques minutes, voire des heures. J'ai mariné avec du poivre, de l'ail, du sel, du cube d'assaisonnement et j'ai bien malaxé, j'ai laissé au réfrigérateur pendant minimum de 30 minutes. Vous pouvez laisser hein, toute la nuit. Ensuite, je vais rajouter du piment que j'ai écrasé dans un petit mortier. Je vais aussi rajouter les gambas et ensuite de l'eau.
Dès que le mélange va commencer à bouillir, je vais rajouter le cube d'assaisonnement et ensuite le gombo et cuire à feu doux. La sauce gombo peut se consommer avec du riz, du foufou, toutes sortes de foufous. Moi, je vais la consommer aujourd'hui avec le foufou d'avoine. La recette, je vous la mettrai en description de cette vidéo. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vais vous demander de liker, de partager, de laisser un commentaire, je vous répondrai au plus vite. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications.